Au cours des dernières années, plusieurs programmes ont été mis en place pour contrer l'intimidation envers les enfants et les adolescents. Il existe cependant de l'intimidation également envers les aînés. Dans plusieurs milieux de vie, l'intimidation entre aînés existe et il y a de graves problèmes. Les personnes responsables ont des rôles et des responsabilités à jouer contre l'intimidation. Par exemple, en se positionnant clairement contre l'intimidation et en mettant en place des politiques de tolérance zéro.